Parfois, il faut savoir être capable de regarder un long métrage sans trop analyser la surface d'un récit, mais plutôt se laisser immerger par l'essence humaniste de l'histoire que nous propose le réalisateur. Celui dont on va parler aujourd'hui est un humaniste convaincu, un homme fasciné par la beauté de l'être humain, dans ses gestes les plus questionnables. Clint Eastwood est un réalisateur d'origine américaine qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant pas loin de 61 ans du haut de ses 86 ans. C'est un de ces grands auteurs qui a su se convertir au bon moment afin d'apporter un nouveau regard sur le cinéma américain en se penchant sur la plus belle chose au monde, l'homme. Eastwood est un cinéaste fasciné par les actions de celui-ci, ainsi que par le passé que son pays entretient avec l'erreur et la remise en cause qui doit se dégager de cette erreur, comme si finalement, l'être humain, par ses fautes, trouvait une rédemption évidente. Chacun de ses films est une ode au pardon. Ce pardon que cherche à demander un homme lorsqu'il sait qu'il a commis une faute, mais qu'il ne veut pas l'avouer à la face du monde. Ce pardon, c'est celui d'une humanité hantée par le passé sombre, des âges nord d'une Amérique rongée par des fautes impardonnables, mais avec lesquelles elle doit avancer. Le cinéaste américain est loin d'être un pessimiste, mais il ne porte pas pour autant un regard si lumineux que cela sur l'être humain, qu'il considère en soi comme rongé par une forme de cruauté qui forge des erreurs qu'il peint au cœur de ses longs métrages. Mais au-delà de cela, il voit l'humanité dans son union comme la plus belle chose au monde. Un être humain seul est pour lui un être humain condamné, qui restera rongé par un manque qu'il ne pourra jamais combler. Un être humain avançant dans la même direction qu'un autre reste pour Eastwood la plus belle chose qui soit au monde et celle qui mérite que l'on se batte pour et surtout que l'on ne s'enferme pas sur le passé mais que l'on avance ensemble vers l'avenir. Des récits oscillant entre la réflexion profonde autour de la perdition et le questionnement identitaire d'une nation qu'il voit comme perdue au milieu des différentes cultures qui la composent. De cette perdition, Eastwood tire une vision, un constat, une position presque idéologique, celle qu'unit, l'humanité avance dans la même direction et évite les erreurs. Bien loin d'être quelqu'un de froid ou de puritaniste à l'image de ses idéaux politiques, Eastwood est au contraire quelqu'un qui montre au travers de son cinéma une ouverture essentielle vers l'autre. Une ouverture qui, bien au-delà de simplement éviter des erreurs, permet surtout de pardonner celles qui sont arrivées et qui pourraient nous corrompre. Le regard de ce cinéaste, cherchant à montrer également la puissance du recul des pères fondateurs d'une nation, lui permet également de constater que même si ses pères guident les nouvelles générations par leurs connaissances, c'est également en apprenant d'eux que ces nouvelles générations ne referont pas les mêmes erreurs et avanceront à l'unisson. La puissance et la générosité du cinéma de Eastwood résident alors dans une profondeur dramatique finalement simple, mais qui permet à ses personnages de vivre par le regard du spectateur. Nous ne restons plus simples témoins des actions de ces personnages, nous devenons les premiers à pouvoir, et même devoir, apprendre une leçon essentielle de leur témoignage. Eastwood voit dans le spectateur, témoin de l'impression d'une œuvre de fiction reflétant une réalité finalement présente, un possible objecteur de conscience, un homme ou une femme qui saura prendre conscience d'un sous-texte ou d'une lecture de ses films et qui sera capable d'avancer dans le même sens que ses personnages et de laisser un message important au monde. Un message que l'on se doit de transporter et d'emmener avec nous dans notre passage sur Terre, le message qui fait vivre et battre l'humanité dans l'erreur. Ne doit jamais naître le doute de notre place sur Terre, mais une remise en cause, nous poussant à mieux y trouver un poste et le tenir pour aider cette humanité à avancer dans la même direction. Plonger dans le cinéma de Clint Eastwood, ce n'est pas chercher à se remettre en cause, mais plutôt chercher à se poser la bonne question pour continuer d'avancer dans la bonne direction. Eastwood est un de ses derniers grands auteurs, à voir le bien en chacun de nous, ne créant pas des protagonistes et des antagonistes, mais plutôt des hommes avec des faiblesses et des envies. Thank you.